Yo Tina. On dit quoi? On est là Tina, sinon ça va là-bas? Je suis un peu en boule. Et pourquoi? À un moment donné, faut pas m'énerver. Oh pardon, Chanel, bonsoir. Bonsoir. Mais toi aussi, enlève un peu ce qui est au front. Ça va rester comme ça. Mon chéri, tu as la parole. S'il vous plaît, je serai très expressive ce soir. Je vais gâter, hein. Éloignez les enfants de la caméra. S'il vous plaît. Gâter même. Ça, tu as cité les noms des gens. Tu n'as jamais cité le nom de Slia. Hé, hey, la frangine, excuse-moi. Bonjour là-bas. En tout cas, bonjour. Hein. Enis, je vais t'insulter. Tu vas avoir le vertige. Hey. Putain de merde, fuck. Non, là, c'est trop, ça ne peut plus. On avance alors. Tina, ton front à quoi? Le front à quoi? Tina, le front. Le front à quoi? Laisse-moi mon front. Non, tout est gros. Partout, c'est gros. Oh non, tout est gros. Tina, c'est la vérité que tout est gros. Oui, je dis la vérité. Allah. Allah. Ah, ok, mais dis-moi, on ne sait même pas où se trouvent tes albums. Oui, on ne sait même pas où sont les albums. Mais. Tes albums sont où? Mes albums sont étaient disponibles à Discotype Mbolo. Donc je vais terminer avec cette question. En quelle année le président Ali Bongo a pris le pouvoir? Tina? Tina, réponds à la question. En 2014? Non! Ou 2013-2014? Non, non, non! Comme si ma question t'avait dérangé, hein, mais c'est faux hein, ta réponse. C'est-à-dire poser la question ne me dérange pas, mais affirmer que c'est faux, c'est ça qui me dérange. Donc tu veux dire que ta réponse est juste? Oui. Depuis que je suis là, je suis en train de je me contiens. S'il te plaît, Chanel, patiente un peu, je suis en train d'arriver chez toi. Cilia, dis-nous, il y a quel problème? Je viens un peu me plaindre. Ah oui, à propos de ton gars. Moi, tranquillement, je me lève le matin et puis voilà. Voilà, il n'est plus là, il s'est en allé de la maison. Maintenant, toi, ton projet de 100 enfants, tu vas faire comment? Mais moi, mon projet, il sortira. Maintenant, si lui ne peut plus tenir pour faire les 100 enfants. En tout cas, s'il ne tient pas moi-même, je vais l'attraper. Bon. Mais Chanel, ça, c'est quel genre de décret d'amour pour faire? C'est spirituel. Réellement, si tu veux des concurrents, c'est moi qui t'invite pour avoir comme concurrent. On arrive maintenant chez Chanel. Tu viens maintenant ici là, rentrer dans mon ventre, pourquoi? Oh pays. Je suis père. Tu peux parler doucement s'il te plaît. Je voulais parler doucement mais je ne peux pas. Tous les jours vous m'insultez. Tous les jours que Dieu fait vous m'insultez. D'accord, maintenant quels sont ceux qui rentrent dans ton ventre et ceux qui t'insultent? Vous les Gabonais, bande de lascars. Ah là tu menaces tout le peuple hein. Je parle de certains, pas tous les Gabonais. Cite d'abord leur nom. Bangal Magazine, Nasofonou, Na les connasses là. Dieu. Jean-Martin, tu es sûr que celle-là c'est Chanel? Moi je ne sais pas parce que j'ai sorti ce mois là, ce matin. Je n'ai rien compris que ce n'est pas. On nous menotte, on nous met à l'arrière. Moi déjà l'arrière des bâchés je connais. Tu connais le trou de là-bas? Yeah, plus le trou je connais. Et tu penses que tu vas faire quoi au trou? Mais au trou et je vous refrappe au trou. Ils ne sauront plus où nous mettre. Ils vont vous mettre où? Je pense qu'ils vont nous mettre sur la toiture. C'est tous. Faut pas exagérer. Vous là-bas, je ne crois pas que vous soyez encore confiné. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Dis-moi, pourquoi Zona insistait de faire l'amitié avec toi hein? C'est parce qu'elle veut se ramasser quelques petits enjeux de la gloire, mais c'est tout. Comprenez aussi les autres. Je te comprends, hein, mais tu avais dit quoi à Zona? Laisse-moi, c'est faux, c'est comme tu es pointu comme le cul du chien. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça vous servait de pas. À certaines émailles, elle est pointue parce qu'elle veut tisser un lien d'amitié avec toi. C'est pointu de venir faire la camaraderie. Camaraderie. Regardez-moi celle-là. On est sur Zona. Sinon, toi, si tu veux m'emmerder, je prends bien, j'y vais, je te casse la gueule en Côte d'Ivoire. Mais attends, chérie, tu vas pas quand même faire ça? Non, moi, je veux lui casser la gueule. Moi, je suis une fille de plein oreille, tiens. Tu es sûre que tu as la force? Il n'y a pas longtemps, j'ai fréquenté un gars de PK. Donc, j'ai encore un peu la pécatude. Hein?
Trop bad. You crying early. Woo, 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 woo. La pécatude. Yeah. Tu es sûr que le mot existe? Oui. Tu veux parler de quelqu'un? Parle de Doxy et ses implants qui vont bientôt percer sa peau. Parle de Lolo Beauté avec son espace entre les dents comme le Seigneur qui a divisé la mer rouge. Hey! Là, je suis en train de mettre tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont cru que comme ils ont critiqué Chanel et la supporté, ils veulent tester ça avec tout le monde en fait. Oui, et toi, chez qui? Je suis le général créole. Moi là, on ne m'embête pas. Si tu m'embêtes, je t'ouvre le con, je t'enfonce la bougie dans le cul. C'est quoi ça? Nous sommes où? Franchement, dis donc. Et tu bois un verre d'eau. Oh, Seigneur. Pardonnez, je m'embarrasse, ta mort. Avant d'aller te coucher. C'est tout pour aujourd'hui. L'étoile qui brille là-bas, c'est pour moi. Les billets violets, là, c'est pour moi. Pourquoi tu ne dors plus la nuit? Qui t'a dit qu'on déplace un puits? Tu ne fais que critiquer tout le quartier, tu n'as des ennuis. Depuis tu ne bosses plus, ton nouveau boulot c'est insulter les gens. Maintenant tu ne parles plus, répète tes commentaires là devant les gens.